Les fans de la série Les Sopranos ont dû attendre près de 14 ans avant d'avoir de nouvelles aventures à regarder avec la préquelle The Magnificent of New York, et il pourrait bien avoir une autre bonne sur David Chase, le créateur de la série culte qui a écrit ce film en salle le 3 novembre, a bien envie de poursuivre l'aventure. Quand J.Y. commence le film, le studio parlait de faire une suite, et je répondais dans vos rires. Et maintenant que J.Y. a vu le film et qu'il a une suite au film, bien. Il ne parle plus de faire une suite, mais la seule façon pour que je le fasse, c'est « Et si Terry et moi écrivons le script ensemble ?» En des autres termes, ce qui arrive à plus qu'un édilancie en RR, David Chase semble avoir déjà beaucoup réfléchi à la trame possible. Lawrence Winté, producteur exécutif et co-scénariste des Sopranos. Avec Tony dans ses vingtaines, ce serait intéressant à faire et il y a beaucoup des histoires qui existent déjà à cause de la mythologie. Travailler avec Terry, lui et moi dans cet univers à nouveau, on a je ne le ferai pas seul, ni avec quelqu'un des autres, insiste-t-il, à Bernie Swinter, elle n'a pas été impliquée dans The Magnificent of New York, mais je n'ai pas reste à la Warner, sur le parc qui détient les droits de Warner, je vais le faire, de Chris Brunner, le bras droit de Tony Soprano dans la série David Chase.